salut tout le monde, c'est Cyril. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la 10e partie de State of Mind. Allez, nous étions donc arrivés dans les égouts. Toujours avec Richard et Lydia. Le pont est bloqué. On s'y attendait, c'est pas grave. Pas mal comme environnement, j'ai connu des égouts plus moins bien fait que ça, alors attention. Alors, il y a juste un terminal ici. Stay here at the switch, I'll go take a look at it. Alors, c'est bloqué. Vous pouvez désormais changer de personnage, d'accord. Does it work now? Ok. D'accord, alors, nouvelle mécanique maintenant. On peut changer. Dans une même scène, on va dire. Et finalement, ça s'est pas beaucoup utilisé, hein, le changement Richard-Adam. Are you scared? Of dying? Of course I'm scared. I'm here, okay? I'm with you. Let's just try and make it to Breakpoint. Maybe they can help you. Stop it. I'll be happy if they help you. I'm not sure if I want them to. He's dangerous, you know. James? A super AI, rapidly evolving. Well, he'll need the right father then. Alors, nous continuons les égouts, on peut toujours changer à tout moment. There. Ok. Maybe the bot can help us reach Simon. Hey, can you hear me? I have to reach my house robot. Can you help us? Use my system to access the bot network. Take my transmitters. Leave one here in the room. Place the other close to the surface. That will work. Thanks. Okay. À proximité de la surface. Ah bah oui, je viens d'ici. Ah, il y a quoi là? C'est les chiottes. Ah, rien de spécial. Ah oui, d'accord, ok. C'est vraiment la guerre. Je sais pas, ici, là. Signal is still too weak. Oh!
Ok. Ok, here's my base 5's ID. Can you establish a connection? Simon, it's me. Mr. Nolan, you are using an illegal ID. I'm on the run, Simon. I know, sir. The forensic department was here and read my memory. Of course. I am sorry, but I could not stop them. Don't worry about that. You have to help me, Simon, right now. I've found Tracy and James. They're in cryosleep chambers at the Moport. So they have applied as colonists. You have to bring them to us. Can you do that? Where, sir? I'll send you the coordinates. It is against the law. You have to rescue Tracy and my son. I will be caught immediately. I've sent you an illegal ID. I have to think about it. Simon, please. Ah. Et donc, on se barre ou comment ça se passe? I get Tracy now. Who wants a body that decays? Hold on, Lydia. No. We'll find a way for you. Who wants their husband to cheat on them with a younger woman? Stop it. I'd want to start again, too, if I could. Just stop it, okay? Come on. This way. Bien. On avance. Alors, toujours les souterrains. C'est sombre. Si vous ne voyez rien, sachez que moi non plus. Hop. I'll think of something. Come on. We have to find a light switch. Effectivement. Alors. Rien ici. Ici. Aller dedans. Allez, mais voilà. Putain, c'est laborieux encore. Voilà. Allez, y'a rien. No electricity. Comment ça, pas d'électricité? Pas d'électricité. Ici, là. Il n'y a rien ici. Tiens donc. Alors.
Salut Warrior, salut à toi. Ouais, je vais refaire du cyclisme dans pas longtemps du tout. On va se faire un petit Paris-Roubaix et un petit Critérium. C'est prévu. Sûrement. On est quel jour? On est dimanche. Bah là, ça va être. On va faire ça mardi. Alors, qu'est-ce que c'est que cette énigme à la con? Danger au voltage. Ouais, mardi après-midi, on se fait ça. Ce jeu-là, c'est State of Mind. C'est un thriller futuriste. On est assez loin dans le jeu là. On est au moins aux deux tiers, trois quarts, quelque chose du genre. On a une énigme à la con qui nous emmerde. Et ouais, ça va être cool. On va se faire un petit cyclisme là, petite course. Je suis complètement keblo. C'est la première fois qu'il y a une énigme comme ça avec une grande zone. C'est quoi ça? Pantographe? Cet appareil est obsolète et ne devrait rien relancer sur la précision. Ah putain, c'était débranché, dit. Ok, bien. Ok, j'ai compris. Cette voie est bloquée. Alors attends. Alors, cette voie est bloquée. Comment ça, cette voie est bloquée? C'est ici, là? Hop, hop, hop. Ouais, c'est un thriller futuriste, donc je disais, avec un très bon scénario. On incarne Richard qui cherche sa femme et son fils qui ont été envoyés dans un monde de réalité virtuelle. Oh, ça me paraît une bonne idée, ouais. Oh putain. Oh putain! Ok, donc maintenant on va rechanger le bousin là-bas et on va aller démonter la porte. Voilà, bon, c'était pas bien compliqué, tant mieux. Très bien. Allez, explose-moi ça. Hold on tight. Ouais, avec un style graphique bien particulier, mais que j'aime beaucoup. Je trouve ça très classe. Très bonne direction artistique. We're going too fast. Bah, je sais pas trop. J'en suis à. Là, c'est la 10e partie que je fais J'ai fait partout 3 quarts d'heure, tout ça. Ouais, je te dis, je dois être aux deux tiers à peu près. Je dois être à 65, 70%, je pense. Oh putain! Ah, il y a carrément des tourelles et tout.
Wow. D'accord. Ça s'est pas si bien passé que ça. Ce jeu-là, je l'ai commencé il y a une semaine. La semaine dernière, j'ai commencé. Ouais, non, franchement, c'est vraiment cool. Hein. Il coûte 40€, mais je l'ai eu en solde dans les promos là, du Microsoft Store sur Xbox. Je l'ai eu à 8€, 7,99€. Ça faisait longtemps qu'il m'intéressait, mais pas à 40€ quoi non plus. Le jeu fait une dizaine d'heures de durée de vie, voilà, mais c'est... Non, franchement, j'aime beaucoup, l'histoire est vraiment bien. J'ai vraiment accroché pour l'instant, porte de sécurité. Lydia, I have to find her. Ah bah ouais, en fait, elle est où, il y a... This is the wrong way. C'est pas par là, bah elle est où? Elle est encore dans le train, peut-être? Non. Oh putain, qu'est-ce qu'ils nous ont fait encore? Ouais, je peux aller nulle part. Non. Ah putain, elle est là. Eh, yeah, ben on la voit pas aussi. Lol, c'est tout sombre. Lydia. Et donc elle, Lydia, là, en fait, c'est un... on vient de découvrir que c'est aussi un robot, en fait. C'est aussi un androïde. Ouais, c'est bon. On sort, on est sorti. J'espère qu'on va remonter à la surface, ça fait bien les égouts un petit moment, mais après, ça lasse. I just wanted to escape from all that, you know? I couldn't breathe anymore. It was the same with her. Oh really? But you're completely different, right? You want another life too. Everybody does. You, me, Tracy, all the people that got uploaded to City 5. And what about those who can't afford to upload themselves? Them too. Ouais, c'est ça en fait. Il y a des fous qui veulent transférer les gens en fait dans une réalité virtuelle. Donc qui veulent, voilà, qui veulent contrôler le monde, devenir tout puissant, faire de l'homme un être doté d'une ultra intelligence, etc. Dans un monde qui n'est pas réel en fait. Et donc il y a une résistance, il y a une guerre civile, un peu humain contre robots aussi, même si là c'est les robots qui se sont révoltés en fait. Donc il n'y a qu'une histoire du coup ou pas, c'est-à-dire il n'y a qu'une histoire. J'ai pas compris la question. En fait il y a deux personnages parallèles. En tout cas, sur la première moitié du jeu, tu suis Richard et Adam, qui en fait est Richard, mais dans le monde de la réalité virtuelle, qui va aussi. Et tu suis... il y a quand même plusieurs histoires en parallèle, avec plusieurs personnages, etc. Vous pouvez désormais changer de personnage, ok, d'accord. Alors, attends. Avec lui, on va aller là. J'ai pas suivi ce qu'il fallait que je fasse, là, par contre. En train de parler, mais... Ouais. We'll have to go through here. Alors... Ok, il va falloir faire tourner le machin. Donc je prends Lydia, et je pars de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des choses ici, dans le coin? Intéressantes. Il n'y a rien sur les côtés.
Merde, c'est le Richard Lillet, donc on va aller de l'autre. Ah, levier A, levier B. Merde. Lydia, I'm trapped. Maybe I can help. I think we have to do this together. Ben moi je veux bien, mais tu veux que j'aille où? Là-bas peut-être, il y a un autre truc. Ah ok, faut que je passe ici par cette porte qui était fermée. J'ai Fortnite, ouais j'ai Fortnite. Je les ai sur les deux consoles. Enfin je l'ai sur les deux consoles, là maintenant du coup j'y joue plus sur, sur Xbox. Alors, voyons voir. Alors ici toujours pas. Ah merde, putain! Mais pourquoi il se met comme... Ah... Donc son levier B à elle... Elle ferme la porte... Et elle fait tourner d'un quart de cercle. Là on voit bien, il fait tourner un tiers et un deuxième tiers. Mais je sais pas ce que ça veut dire les trucs en pointillés. Ok, alors lui, il a fait tourner trois quarts. Ok, donc maintenant... Elle va faire tourner normalement un quart. Faire des lives sur Fortnite, alors moi je veux bien, j'ai aucun problème, mais je suis pas bon, hein. C'est vraiment pas... je suis très mauvais quoi, je joue pas du tout souvent, c'est pas trop bon. Enfin, je vais me faire allumer, hein. Avec tous ceux qui... Vu que forcément, c'est plein de gens qui passent leur vie dessus, etc. Mais je vais y aller, j'ai pas encore joué depuis la... J'ai même pas encore vu, en fait, la nouvelle map et tout. Donc, enfin, je veux dire, depuis la nouvelle saison. Mais oui, bah, éventuellement, je peux faire du live dessus, ouais. Pas de problème. Ça nous fera passer un bon petit moment ensemble. C'est ça le principal. Bon, par contre, on est bloqué là, putain. Oh. C'est que ce truc à la con, c'est incompréhensible leur machin. Ah, peut-être. Pas encore. Elle a fait un quart. That's it. Là c'est bon? Ah putain. Ok. Bien, parfait. Ouais, je suis parti en vacances. Enfin, partir en vacances, c'est vite dit. Moi j'habite à Paris et je suis allé chez mes parents là à la montagne, dans les Vosges. J'y retourne la semaine prochaine d'ailleurs. Eh ben. Allez, on y va.
Du coup, ouais, quand je suis dans les Vosges, je peux pas trop streamer. C'est pour ça que je fais que je fais pas de vidéo pendant ce temps-là, parce que j'ai pas. Il n'y a pas la fibre à la montagne, forcément. Donc, du coup, la qualité du stream, c'est du 480p un peu dégueulasse. C'est pas terrible. Donc, en général, je fais pas mal de live avant, je les enregistre et je les mets sur YouTube. Up ahead, that must be it. Okay, so are we going in? What if they shoot? I should go first. Mais non, qu'ils vont pas nous shooter, t'inquiète. No, forget about it. I'm going first. Don't be an idiot. I'm as good as dead anyway. Lydia. Ah, d'accord, ok. C'est spécial comme endroit, ça. Et toi, Warrior, est-ce que t'es parti en vacances? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Alors, toujours les souterrains. Lydia qui est toujours mal en point. Nobody's there. I can't believe it. Look, here, in that chair. Attends, faut que j'augmente un peu la luminosité de ma télé là, parce que je vois rien du tout. C'est tellement noir, c'est un peu chiant cette phase. Bon, c'est pas beaucoup mieux, c'est le jeu qui est vraiment hyper noir en fait. Alors, bon. Fauteuil, elle a dit. Le fauteuil, ici. Base de données, s'il te plaît, n'est pas enregistré. Jeff Kozowski. Ah, c'est Marcelo Bielsa. Énorme. It's an upload unit. They actually managed to build one. Do you think it works? Seems to. His body is alive, but he isn't here. So he's up there in City 5. Yep. He's on his mission, looking for the servers. If he finds them, it's all over. Ah bah c'est cool que tu sois parti deux semaines. C'est bien, ça fait du bien de changer d'air un petit peu. Normandie c'est sympa. Bon c'est cool. All right, Jeff. Now you're stuck up there. Unless he finds another body to download into. But not here. We're in charge of what happens here now. If we want to download Tracy and James, we need to find out how to do it. Even if we could, their bodies aren't here. Simon, send him the coordinates. Do you really think he'll do it? He'll do what is right. Okay, we have to find out how this whole thing works. Bah, il est plus là. Oh là là, ça se complique un peu là. Those are the Montauk databases. Part of them anyway. Kozowski must have stolen them. These are the VR plans. There's a download interface in a big building in the center. The dome. That's where John needs to go. I have to talk to him. Do you have his contact? Yep. Here. John. On va parler à John. Ah. Service désactivé. Alors, je peux plus changer de personnage avec Lydia. Ah, ils l'ont foutu là. Alors. Ah, le Claude Cowell, ok, c'est ça qu'il nous fallait. Moi j'ai 28 ans, Warrior. 28. On arrive sur la trentaine. Doucement mais sûrement. Alors, est-ce qu'on peut appeler maintenant? Oui. John, thank God. Listen, we don't have much time. A man, someone from Breakpoint, is up there with you. If he finds the servers. He won't. He's not smart enough. He's human. Human? What do you want from us? What I want? What I mean is...
I saw the recordings you sent. You have? But that's fantastic. And? Do you understand now that we... I understand. For the better. Is something not right? Is there something you want to ask me? I've seen you. With her. Your lover. What? Oh, but that is not... Not what you... You despise Mom. You hate me. So what do you want from us? No! What makes you say that? She wasn't pretty enough for you. You didn't want a child. You don't want us. And we don't want you! John, you can't have seen that in the recording. It didn't happen like that. You are my family. I have to go. John, I swear to you... I'm sorry. Ça roule, Warrior, ça marche. Bah, bon Fortnite à toi, du coup. C'est sympa d'être passé. Puis bah, c'est quand tu veux. Et je te dis, on se refait vite. On se refait vite une petite session de Tour de France. De toute façon, tu as une notification, donc tu verras quand ce sera le cas. Et puis voilà, t'es le bienvenu quand tu veux. Merci à toi d'être passé. Bon jeu. Et bonne fin de dimanche. Even if there are things you can't simply take back. I can't take it anymore. I need to find that data. He needs to watch it again, all of it. What you uploaded for Adam... was the data from this database. Yes! Got it. Got it. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? No signal. Bah ouais, je me souviens de toi, hein. Je me souviens de toi quand t'es venu sur le Tour de France, j'ai reconnu ton pseudo, t'en fais pas. C'est sympa, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Not now. Ah, ben je l'ai fait trois fois, ça. Pourquoi ça marchait pas? C'était juste ça. I think he's not really my son, as if she just inserted him into my life. Ah. That really does sound awful. Does James know? God, no. Well, maybe he senses it. I don't know. Ok, on est de retour dans la VR. No, of course I love him. I love him more than anything else in the world. I want to get closer to de retour dans le monde de la réalité virtuelle. Son, for us to be happy. You get me? Yes. Richard was right. Don't you get it, Henry? He didn't lie. I remember now. Remember everything. But John, if you're not real, then I can't be your friend. That hurts my feelings. Feelings come out of your happy brain, remember? I am real. I'm just not real here. I have to go back to my family. My proper family. Mon pseudo Fortnite. Je sais même pas ce que c'est. Mon pseudo Fortnite, c'est le gamer tag là, non? Tu peux mettre HDP Plata en majuscule HDP et Plata PLATA. Enfin juste que HDP et le premier P en majuscule, je sais pas si c'est important ou pas. Et normalement, c'est ça. That's an object from the real world. I can see it. I can see the other side. Alors, on incarne le gamin. Et lui, il est bien conscient que... voilà, monde réel, faux monde. I could tell you another story. Or we could paint a picture together. Or play a game. Henry, there's no point in telling me a story. Training or playing with me, because I'm not me. You have to help me. I have to talk to Richard. What?
What exactly did you watch there at Adam's Cloud Hub? Do you see? It's home. I can see it. I can see everything now. On prend les fragments de mémoire. John, it's late. You should be in bed. Il est pas tard du tout, c'est le plein jour. Ah, quoi que non, c'est la nuit. Mais bon. Eh ben, donne-moi le tien, Warrior, plutôt. Donne-moi le tien et c'est moi qui t'ajouterai, parce que je t'avoue que... Je sais pas, le compte épique, j'en sais rien du tout. Donc si tu veux, mets-moi le tien ici et puis je t'ajouterai quand je me connecterai sur Fortnite. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors, je pense que c'était le dernier, là. Une bien belle soirée, dis donc. Alors, avec ça donne envie d'y habiter, dans cette réalité virtuelle, quand même. Quoi d'autre? Quelque chose. Bien belle baignoire. Ben alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça là? Non, même pas. Ça, je peux rien en faire.
bien ici. Attends les bottes de la clinique. Sorry. No connection could be made. Ah bah non, même pas. Contact City 5 Services if this condition continues. Come on. We could go visit Dr. Sykes. Dr. Sykes is your friend. He can help you. You have to help me, Henry. Everyone else is a liar. Dr. Sykes, the governor, Amy, Adam, they all lie. The bot network. Maybe I'll work with the bot network. But I'm just a toy, John. I have no access to the higher levels. I imagine the network as a big onion. Not now, Henry. I need to restore the connection. Alors, Sally. Sally, can you access your network? Can you bypass the locks? I'm sorry, John. I can't help you. I am damaged. Someone will come to pick me up. Ah, merde. You're not damaged, Sally. You're just not yourself anymore. Just like me. There are differing opinions about that. I think I know who you are. I think you're not even a robot. Of course I am, John. A Y-series android. Forget all of that. What do you remember, Sally? Who are you really? I'm your nanny, John. Who else? But I'm damaged. Not able to compute. Would a robot break a glass? No. Maybe you did, because you're not a robot. Or because I'm damaged. If I disappeared, would you be sad? Of course. Even if I was some other kid? I do not know. I am your nanny. I am pre-programmed for you. I think you're more than my nanny. I do not understand, John. demain, il y aura du live, ouais, évidemment. Il y a du live tous les jours ici, Warrior. Il va y avoir du Nioh 2 aussi. Peut-être ce soir, on sera du niveau 2. Du Nioh 2. Do you remember this? This item is not in my database. But the melody. Do you remember the melody? No. My ring. That is my ring. Sally, robot. Ah, elle a reconnu la bague. No. I do remember. Therefore, I must be damaged. Do you know what this is? A memory module. From the Base 5 series. Old. You have a module like this. Do you think this is you? A small metal box? I do not know. This man. Do you recognize him? No. What do you feel when you see him? I do not know. I feel something. I'm not sure what it is. You see? That's us. You and me. No. Look at it. Johnson. It's our fault. Sally? James. James, I'm so sorry. James? It was an accident. I couldn't rescue you. I tried, but there was just so much blood. But I'm still alive. They said they could help you. What should I have done? I had to believe them. I am here. You did rescue me. It's not the same, James. Being here and being alive is not the same. Then let's go home. Please, you have to disrupt the bot network. We have to talk to Richard. Please, Mom. I am ready. Thank you. I now have full access to family data. Richard. James, my God. Listen, I understand that you... It's really not what it looks like. I know, Dad. I saw it all. Yeah? And? You told the truth. Yeah. But you shouldn't have done it, despite everything. I know. Let me make it up to you. Make everything up to you. I miss you, kid. Come home.
I don't know if that's possible. And I don't know if I can. You can. We'll help you. Okay? Mom's here too, but she isn't quite herself yet. We have to get you to the dome. Wait here. I'll see what I can do. Okay. Hey there, kiddo. Hey, Dad. What are you doing? Hide and seek. With Henry. That's nice. Listen, I won't be coming home tonight. Amy and I are at the opening of Project Independence. You be okay alone? Sally will take care of you. It's okay. Great. Stay in the apartment, okay? You'll be needed. Okay. Hmm? What, John? See you tomorrow. Okay. See you tomorrow. On sait qu'on le reverra jamais. It's the clinic bots. Henry, you have to win some time. Your father would not like it, John. Adam isn't my father. Lock the door. C'est dangereux dehors, John. You have a new message from Aunt Joan. It's me, Henry. It's me. This contact is offline. Hello, John. It's your great Aunt Joan here. How are you? I thought maybe we could play a game together today. Give me a call if you want to. This contact is... I can't. John isn't here. I'm too small to open the door. I don't know who locked it. Who would want to lock me in? I know, Betty. Some humans are very irresponsible. I'd love to, Betty, but John isn't here. He's outside. I don't know. I'm just a toy. I'm afraid we're talking in circles, Betty. Betty? We have to get you to the dome. Wait here. I'll see what I can do. Ah, j'allais dire, je peux peut-être changer de personnage au niveau du holo machin là. À demain ou à ce soir, Warrior. Ciao, ciao. C'est cool là, on voit qu'on se dirige vers la fin. Il se passe des choses. Or we could paint a picture together. Or play a game. Oh, c'est mort. There's no point in telling me a story, or painting, or playing with me. Because I'm not me. Don't be unreasonable. John, you can't fly alone. Mom? Ok, parfait. Eh ben dis donc, ça a encore avancé d'un coup là. On va regarder la cinématique et on va s'arrêter là pour cette partie. Ça fait 50 minutes, c'est parfait. She has shut herself down again. Should I try to wake her? There's no time. She'll catch up. Let's go, Henry. We can still turn around. Do you know what you're getting into? Bien. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter ici et je pense que ce sera la fin du jeu, hein, pour la prochaine partie. Peut-être, on verra ça. Du coup, elle sera peut-être plus longue aussi. Mais non, très cool.
Allez, on en reste là. Merci d'avoir suivi cette 10e partie de State of Mind. À très vite pour la suite et peut-être fin du coup. Ciao, ciao.